Salut tout le monde, je vous retrouve pour un tutoriel de slime. Un slime assez spécial que vous n'avez sûrement jamais vu sur une autre chaîne. C'est un slime d'Annette. Donc je vais essayer de reproduire les slimes que les youtubeuses américaines font. Donc qui sera dans les... Comme je dis, c'est un peu bizarre, mais c'est un slime qui va être vraiment fluffy. J'ai essayé de trouver sur une chaîne le plus fluffy. Donc je vous mets la chaîne en barre d'infos, et la vidéo en tout cas. Et donc, ça sera un slime assez cool et que vous pouvez reproduire chez vous. Et on va faire croire que c'est un slime yaourt. Donc là, je vais ajouter la colle. Donc, je vais pas mettre... Your little brother never tells you, but he loves you so. You said your mother only smiled on her TV show. You're only happy when your sorry head is filled with dope. I hope you make it to the day you're 28 years old. You're dripping like a saturated sunrise. You're spilling like an overflowing. Pour le colorant, j'ai mis un feutre usé. Every edge, but you're a masterpiece. And now you're tearing through the pages and the ink. Everything is blue. His pills, his hands, his jeans. And now I'm covered in the colors, blew apart at the seams. And it's blue. J'ajoute la maïzena, mais évidemment, ce n'est pas obligé pour faire un slime. C'est juste que moi, j'ai cherché à faire plus fluffy. Moi j'ajoute du bicarbonate de soude, mais j'ai remarqué que ça ne change rien au slime. De savon, c'était pas écrit dans la recette, mais je voulais que le slime soit doux à la main au pied, donc j'ai mis ça. Et pour finir, le plus important, le daquilo sérum, c'est du borax. Il faut vraiment du borax, il faut pas que ça soit marqué sérum physiologique, parce que ça marche pas. Directement, le slime se forme, il n'y a pas de réaction, c'est que ce n'est pas le bon produit. Vous en rajoutez jusqu'à ce que ça ne colle plus au bord et que ça se détache des bords. Et voilà, là, comme vous voyez, je détache le slime de ma danette et je commence à le malaxer pour le travailler. Et là, comme pour faire la petite chantilly de yaourt, j'ai rajouté de la mousse à raser. Et là, ça a vraiment l'aspect d'une danette.